salanga na kokakateo mabe na kubuya yango na kosala na bomoi nanga ya welimbisanga Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Amen, amen. Blasphème contre le Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui, blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable. Tout ça, Matthieu, na biso na mukanda. Il y a Matthieu chapitre 12. Tout le monde, histoire qui est à partir du verset 22 jusqu'à verset 32. Vraiment, toujours le bel Cambouitali, le péché impardonnable. Le péché que ce cousin-là, péché wana, bakolimbi sayote. Amen, amen. Les gens se posent des questions pour savoir quel est ce péché qui est impardonnable. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Yesu azoloba, alobi, loba mabe atapwanaye. Aucun même commentaire respect. Barolim bisayo. Amen, amen. Aucun coup blasphémé contre Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même a lobi. Barolim bisayo. Mais blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour qu'on ne jamais pardonné. Ils en ont siècle hoy. Ils en ont siècle à venir. Les gens se posent beaucoup de questions pour savoir pourquoi Jésus a lobi. Il y a un péché impardonnable. Et quel est ce péché? Sont tout à l'ensemble bien. Vous te lis à partir du psaume chapitre 86, verset 5. Babi que car tu es bon Seigneur, tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Balobi nzambe azama alam, azani nzambe alimbi sak. Alléluia, alléluia. Azana bolingo munene pona batu suba babenga kaye. Batu suba luka kaye, nzambe azali nzambe ya bolingo. Azali nzambe ya mawa. Alléluia, alléluia. Babi nzambe alimbi saka masumu nyonso. Tu peux lire dans le livre de Psaume chapitre 103, verset 3. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne masumu nyonso. Il nous montre ici qu'il n'y a pas d'autre péché que Dieu ne pardonne pas. D'après la Bible, on voit que notre Dieu pardonne à tous les péchés. Alléluia, alléluia. Alors, David alobi na 86, 5 alobi. Tu peux lire ce livre de Daniel, chapitre 9, verset 9. Daniel a continué à expliquer que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Il est capable de pardonner tous les péchés. Il a une miséricorde. Il a une miséricorde. Mais ici, on nous parle d'un péché impardonnable. Quel est ce péché? Si Dieu pardonne tous les péchés, alors quel est ce péché que nous devons éviter? Qui est le péché que Jésus-Christ a zolé bel aoua. On peut lire aussi dans le livre de Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Alors quel est ce péché? Où que Moutako Kosala est péché ou est comme impardonnable? Où est-ce à l'obi? Bako limbi sayote, attend un siècle ou, même dans le siècle présent, tu n'auras pas le pardon. Alors il s'engeli, éviter ce péché qui peut t'amener à la mort spirituelle, la mort éternelle. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Tu peux même trouver Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, verset 18, verset 19. Vous voyez comment toujours Zambazanga Zambé Amao. C'est un Dieu qui pardonne. La Bible dit, Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le Dieu miséricordieux. Mais quel est ce péché qui est impardonnable? Alors on peut nous lire pendant aussi Michée chapitre 7. Verset 18 à 19, Batangi na kombona Yesu Masi. Michée chapitre 7, verset 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Zambé Moussou Sulokola, le Dieu d'Israël Azate. Notre éternel, notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne, qui jette. A l'imbissio à bois qui a mon assouté. Zambé Ni Lokola. Alléluia, alléluia. Michel Lobi, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu-là qui pourrait pardonner? Zambi na koko limbi salo kula nzambi otuta isabino ao. Le Dieu qui pardonne masumu nyonso. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne tout le monde et tous les péchés. Alléluia, alléluia. L'histoire il y a Israël, c'est une histoire à pardon. Israël, il y a un Dieu qui pardonne. Un Dieu que tu peux commencer à marcher avec lui. Souvent dans le baka, c'est un Dieu où il toko soanaka nae, des fois koyokana yokana. Amen, amen. Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui comprend, qui nous supporte. Il est compatissant, il est lent en colère. Et c'est un Dieu même qui a besoin pour pardonner. Amen, amen. Mais alors on nous dit qu'il y a d'autres péchés que Dieu ne pardonne pas. Bien-aimé, alléluia. Amen, 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 amen. Ce que dans l'Ancien Testament, au commun, exemple, il y a pardon en Zambé. Adam et Ève, comme étant qui péchaient, Dieu les avait pardonnés. Alléluia, alléluia. Et ce que au commun, Abraham, Isaac et Jacob, comme étant qui péchaient, ma casse, Dieu leur avait pardonné. Alléluia, alléluia. Et tu même que okay, Moïse était pardonné par Dieu. Il avait commis le péché grave. Et ce qui est le Moïse, c'est parce que Dieu l'avait pardonné. Alléluia, alléluia. Moïse était pardonné par Dieu. Et ce que Moussika, au commun, beaucoup de gens, même dans le Nouveau Testament, amen, amen, apôtre Paul avait blasphémé, il avait tué les chrétiens, il injurait le nom de Jésus-Christ, il s'est moqué de lui, mais il fit pardonner. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Tu peux voir ça dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 7. Pour la lobby, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia, alléluia. Mais apôtre Paul, ici, il était un méchant. Mais il a eu la grâce d'être pardonné. Quel est le péché que toi tu as fait qui pourrait être impardonnable? Tu peux le voir ça dans les Colossiens chapitre 1, verset 14. Ils ont qu'on rassirait Bissot. Et tu peux aller encore plus loin. La Bible nous démontre ceci dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Le verset 9 nous dit ceci. Si vous confessez. Alléluia, alléluia. Les pauvres, ces gens ne veulent pas confesser. Si vous confessez. Mais si vous ne confessez pas. Alléluia, alléluia. Si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour le pardon. Si vous confessez vos péchés, Dieu reste juste et fidèle pour le pardon. Donc, Dieu jure la fidélité. Il jure la fidélité de nous pardonner. Il nous montre qu'il est prêt à pardonner à tous les péchés. Tu es sorcier? Dieu peut te pardonner à cause de ta sorcellerie. Amen, amen. Tu es voleur? Dieu pourrait te pardonner si tu veux confesser. Mais si tu ne confesses pas, là, il n'y a pas moyen de te pardonner. Tout le péché qui est pardonné, c'est le péché que vous confessez, que vous osez reconnaître que je reconnais ce péché. Je reconnais que c'est un défaut. Maintenant, je vais demander pardon à Dieu. Mais si vous ne demandez pas pardon, ça devient impardonnable. Alléluia, alléluia. Tout péché, même ma miyibi, ma violère, Dieu pardonne toujours. Alléluia. Acclamé pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alors, Nzambalobi, si vous confessez, si vous confessez vos péchés, Dieu reste juste. Dieu reste juste pour le pardon à tous ceux qui confessent leurs péchés. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez confessé vos péchés? Bien, vous les gardez. Quand vous les gardez, il n'y a pas moyen de voir le pardon.
pour avoir le pardon de Dieu, c'est par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est votre acceptation. Alléluia. Entrons un peu en arrière pour comprendre pourquoi Jésus-Christ a parlé de ses péchés, de ses blasphèmes impardonnables. L'histoire en est que, à partir de Matthieu chapitre 12, si vous commencez à partir à verset 22, on peut comprendre que on avait amené un démoniaque. On avait amené quelqu'un qui était démoniaque, c'est-à-dire un aveugle. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Mutumoko Azaki possédé par des démons. Il était en même temps aveugle et il ne parlait pas. On l'avait amené auprès de notre Seigneur. Étant le Seigneur azuyé, il l'a délivré. Tant qu'il a délivré, le démon a été délivré. Mutuana a récupéré santé. Le Messie a commencé à parler. Le Messie a découvert la vie. Les pharisiens et les scribes qui étaient là, Barthélemy a dit comment? Ça fait quelle force il a fait ces choses? Non. C'est par Belzéboul. C'est par les princes des démons. Ce type ici est conduit par le maître des démons. C'est les démons qui font que Abi qui s'amoutou. Alléluia, alléluia. Mais si vous regardez, est-ce qu'un démon peut faire quelque chose de bien? Jamais. Un démon ne peut pas faire quelque chose de bien. Ce que Jésus avait fait, c'était un bien. Quelqu'un qui était malade, qui était possédé. Alors, les Juifs ont commencé à parler de lui, à se moquer de lui. Par quelle force? D'abord, qui l'a autorisé à faire cela? C'est par les démons. Donc, le fait de penser comme ça, c'est-à-dire que c'est une façon d'accueillir Jésus avec indifférence. Et avec beaucoup de critiques, si on avait vu la fois passée, ils ont commencé à critiquer. Et le fait de critiquer Jésus, le fait de recevoir Jésus avec indifférence, va vous pousser à l'incrédulité. Alléluia, alléluia. Alors, tout ce que Jésus fera devant vous, et vous allez inutile et banal. Ces gens-là se consoler comme ça. Attaillez sur Asekwisi Muntoa Koufi, pour la bango à Milimwandoki. Asa on a Kindoki. Alléluia, alléluia. Jamais Satan a causé la bolam. Même des gens qui ont fait des miracles, ils ont fait des miracles. Ils ont fait des prêts. Les amis, ils ont fait des mensonges. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui est en train de témoigner à la télé. Dans le quartier, il y a des gens qui ont témoigné. Ils ont fait des ambassades. Ils ont fait des églises. Mais ils ont fait des gens qui ont fait des miracles. Alors Jésus-Christ ne faisait pas comme ça. Tant que ce que Lazare a commencé à couper avant à couper. Amen, amen. Et Dieu choisit qu'il soit un seul miracle pas na yo. Il faut être libéré. Amen, amen. Ce n'est pas des gens aux hommes bilok yandam mundam. Balungulio et Baba qui sauté. Jésus-Christ faisait des choses vraies. Alléluia. Acclamé pour la gloire de notre Dieu. Alors les Juifs, les scribes et les pharisiens commençaient à se moquer de lui. Commencer à parler mal de lui. Qualifier comme quelqu'un qui est un sorcier. On les qualifiait comme quelqu'un qui est conduit par les princes des démons. Et cela pouvait participer à ce qui a l'air incrédulité. Enfin, que Atayesu Ateindengenin, Atayesu Alobinin, beaucoup jamais koyokaye. Pourquoi? On le considère comme un démon. Pourtant, Jésus-Christ était le Saint-Esprit lui-même en personne. C'était Dieu qui était descendu vers nous, qui nous a montré son amour. Alors les pharisiens ne voulaient pas. Ils commençaient à combattre l'évangile. C'est pourquoi les pharisiens ont été difficiles pour que Balimbi Sabango. Parce que moi, je ne suis pas mes alités. Les problèmes, c'est que ceux qui ont été matés. Les problèmes, c'est que ceux qui osent toujours incrédules. Et ceux qui ont votre incrédulité, ils ont persisté. Ils ont continué à avancer. Et vous gardez les péchés que vous ne voulez pas confesser. Et vous les gardez aujourd'hui et vous les gardez le lendemain. Le péché continue à être gardé et protégé. Pendant que vous gardez vos péchés, ça prouve que vous êtes incrédule et vous ne croyez pas. Amen, amen. La Bible nous dit, si vous confessez, et comme vous ne vous confessez pas, vous gardez vos péchés, ça reste pour vous. Alléluia, alléluia. Ce sont des péchés que vous n'avez pas confessés. Ce sont des péchés qu'on ne peut pas pardonner parce que vous ne voulez pas les confesser. Alléluia. Acclamé pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur.
C'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu de confesser tous les jours. D'avoir le temps de penser à de confesser chaque fois. Un enfant de Dieu, chaque matin, il doit continuer à confesser ses péchés. Il va se poser des questions sur sa vie. Quel est le mal que j'ai fait toute la journée? Vous pensez, vous raisonnez et vous les confessez. Envers votre ami, vous les cherchez et vous l'appelez. Mon ami, je vous demande pardon pour ce qui s'était passé hier. J'ai compris que c'était de ma faute. Alléluia, alléluia. N'engana ça la bonne côté. Réponse à Pessa Kiwana. J'ai compris qu'il y a un peu tort. Mais il y a des gens comme ça qui n'ont jamais trouvé le mal. Je ne sais pas si tu es un peu. Alléluia, alléluia. Dieu veut que quelqu'un ou à quoi mital, comme on a qui a quitté, que se comprenne qu'il est malade pour qu'il va limbi ça. Un orgueilleux, à mon âge, ma belle pas naïté, à mon âge, ma belle pas battu mon sous, à mon âge, saleté vous avez pas naïté, à mon âge, saleté pas battu mon sous. Alors Dieu veut des hommes humbles, des babi, zambé abombi makambo et pona bato maele, appelé sango banamike. Banamike sont des gens au bazar humbles, bato ami qui tisaka, ils sont prêts à écouter la parole de Dieu et aller accepter la parole de Dieu et confesser leurs péchés et se repentir et marcher avec Jésus-Christ. Acclamé pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Maboko pon le kumu dans le Yesu Masia. Amen, amen. Alors le péché contre Saint-Esprit, le péché impardonnable, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu et de continuer à critiquer même la parole écrite. J'ai vu une personne à la télé, elle dit à quelque temps en théologie. Alors, il était un docteur en théologie. Mais c'est le docteur, tant qu'il osait défendre la parole de Dieu, elle dit non, nous avons aussi la connaissance. Nous ne sommes pas des imbéciles pour croire tout ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons quand même voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que nous avons une tête. Voilà cet homme, il est devenu fou. Il se compare à la sagesse de Dieu. Il cherche à modifier ce qui est écrit dans la parole. Alors, il y a parce qu'il y a tant de mingi. Tant qu'alléluia. Tant qu'il ne peut pas battre. Tant qu'il ne Alléluia, alléluia. Alors, comme ça, une personne pareille, c'est un incrédule. Il se moque de Dieu. Il y a des choses qu'il pouvait accepter dans la Bible et d'autres qu'il pouvait jeter. Amen, amen. C'est ça l'incrédulité. Accepter Jésus-Christ en partie. Vous ne voulez pas l'accepter en totalité. C'est-à-dire, vous cachez toujours d'autres choses. Alléluia. Mais c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Après, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne sera pardonné. Mais quiconque parlera mal contre le Saint-Esprit, à cause de la pardonnerie. Alléluia, alléluia. On comprend par ici. Batu ba beta ka Yesu, c'était. Batu ba finga kaye. Batu oyo, ba cracha sirye. Et Jésus-Christ est encore sur la croix. Atima mamboko na ikulusu. Ba beta ba sete. Makilezo tanga. Avant sa mort, il avait prié pour ces gens. Alors lui, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Acclamé pour la gloire de notre Dieu. Le dernier des péchés que le monde avait fait, c'était de frapper les maîtres, frapper leur Dieu. Alléluia, alléluia. Frapper Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le tuer. Et ce péché a été pardonnable. Donc, ils sont lobby. Même ceux qui ont manqué de respect, on va te pardonner. Mais ceux qui ont kende koboya marabouya molim, mon sang, ça devient impossible. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, les gens qui avaient frappé sur Jésus-Christ, Sodawana Asimi Marto. Azo betaye sur ma colle, poa azo betaba sete, ma kine zo kote na misu, a bete sur marteau. Yesu atali a lobi, Père, l'imbisaye, ne connaît pas ce qu'il fait. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Ye bisanga sur le soumou nini moussou, ou l'imbisayote. Alléluia. Quel autre péché, ou l'imbisayote? Parce que celui qui a fait même des pareils, bazo l'imbisaye. Mais quel est autre péché? Oba limbi saté. Maboko ma casse pas le comme dans colé sur Masia. Maboko a bien pas le comme dans Zambé. Hébreux chapitre 6.
Batangi le biso. Hébreux chapitre 6, verset 4 jusqu'à verset 6. Nous allons voir. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La Bible dit ceci. Car il est impossible, impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez les péchés impardonnables. Il est impossible. Pona batu. Oyo basi ba yimaka mon ensemble. Ba mi pesi. Basi ba yebi nyonso, ba yeba sambeli ba goûté nyonso. Bazongisima. Alors, Batiki souvent comme un ensemble. Babi est comme difficile pour les sauver. Tu sais pourquoi, mon frère? Croisant mon tour, quand on va casser au sein l'Évangile, coûte à mon tour dans un ensemble laté. Mon tour est dans un avec qui est souté. Ce côté y est soit facile à aya. Amen, amen. Aza facile à l'andayo. Mais quelqu'un qui se croyait être déjà servant, serviteur, quelque part, quelqu'un qui se croyait déjà connaître, bazaka teti moko ayebi nzambe ya mabe asambela ka muto fuka melaka muto ala ta photo ya muto mais tala maloba na munoko. Alléluia, alléluia. Okomuna teti moko accompagne mon nzambe mabe fuka melaka ko mais tala maloba bele na munoko. Il est écrit wana asabi déjà ya ndenga mabe. Quand vous voulez dire quelque chose, il est écrit, il est écrit. Bible le bible, bible le bible, c'est à dire il t'embrouille. C'est-à-dire, Batouana est comme un passe pour nous sauver Bango. Mais ils ont bien écouté le terme comme tout le monde a été embêté à ta. Alléluia. À ta drogueur. À ta facile à bon la montée, mais que quelqu'un qui est déjà, qui se croit déjà connaître beaucoup de choses. Ils sont là, c'est pour contredire. En Balobi, il y a des gens qui, assez à goûter, comme on a ensemble, à Yokangogou, avancer. Par exemple, je donne un exemple. Alléluia. Au bandit, ma cambo nanzam. Bandit, ma cambo nanzam, malam, 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 malam. Batu ba kenarati, ba kombe sa nanzam. Zo avancé, ma nanzam, be ya. Au bandit, qui osa frère malam. Frère, mela masangate. Frère malam. Frère, mela ki asa ki ndumbate. Frère malam. Mouke, mouke. Mouke, mouke, le bi. Ah. Ça fait longtemps, hein. Ngape na moutou, quoi. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Tu es un peu. Alors, c'est vrai. Au moins, on profite. Alléluia, alléluia. On le bien, on profite. Ça me fait un peu de vision. Au moins, on a une autre. Ah, est-ce que. Dieu comprend tout. On a une église, on a une modération. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si évangéliser, pisse vous. Ah, mais ça est le côté. Ah oui, ah, vraiment, pour mes années, ce meli hein, ou ça ma soum. Comme la pamba, ils ont un problème. Te. Yo ont un banin, c'est là comme la sous. Pour tika les sous, et comment difficile. Au coup, le Christophe a versé nyon sur la Bible, au coup, tu sur Pembe. Ceux qui n'ont pas eu, mais, oh, yé, sur la salle qui wane, ça qui m'a sangate. Ceux qui n'ont pas eu, mais, bon, vous avez wana, balobi, la joie avait wana, ils ont 20. Donc, au coup, ils ont versé nyon pour se défendre. Au coma incrédule. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose, il faut y aller dans la vie y a chrétien. Quand tu as déjà commencé à marcher avec Jésus-Christ, boya ko goûter ma soum le kola ba masanga, ba kindumba, boya ko mekate. Quand vous commencez seulement à oser, au mekikaka, au tikal, et coma difficile. Boya ko kouté masumu lokola babilo ko ba science au kit. Ba nzamba alléluia. Amen. Makamba science au kit. Si tu as même des amis que vous marchez avec. So ba jeune gens ba ba raté. Kindoki ba ko ta ngba ebiso ko ko ta kindoki te. Kindoki za so so koti,
Nous comprenons que nous sommes doki. Babi science occulte. Les choses comment cachées. Bozo kende, tala maramboa kalezalaki, oke panganga, ou yébisse ouzana problème. Problème aux alliés, azana makambozo simbate nganga, avec un petit problème. Il en a trois maki. Et ça, Seigneur Moutou. Non. Là, demandez comment trois maki. Yo yé kana trois maki au pessier. A travailler, moulo sou moi moutouk. A travailler, ou sou moi loupang. A travailler, ozo progresser. Après lobby, mounga boye, moi c'est un akoufi. Merci parce que trois personnes ont pu s'en abattre 10 minutes, mais si on a un col déjà, on a pu s'en trois personnes, sauf qu'ils sont morts. Il y a un mwana basa ma muti esili basi bo na tongo mwana kufi. Comment ngana mwana tilo kola na ndoto? Oui, kindoki za bongo, za kola uzumwana na ndoto. Alléluia, alléluia. Mais so koli a ndé ko mpoko zoba décision. Ya ngoba lobi, il faut faire attention avec ba tota mwana mango ba kozo sona sima. Mais il y a une chose, ce qui va faire tomber yo dans des choses de sens occulte, ce n'est pas facile à côté les ma. Ya ngoba lobi, ce n'est pas facile. Quand la bateau basse va goûter ma mon ensemble, basongissime. Ce qu'on soit avancé qui n'a Jésus-Christ. Ozongeli massang, ôtez la mort soudée. Ozongeli vie à Kindoum, et comment le problème? Ozongeli vie à science au kit, au cotant bami mabe, au comment on a passé pour bim. Amen, amen. Il faut être prudent. Babi, ce qu'on a maillé l'été, ne au commandant ma mon ensemble, pour comment incrédule. Bateau belle aucun enfer, basse la bateau basse aucune parole de Dieu. Mais bas résister. Alléluia, alléluia. Bah avancer mon kena nzambe après ba zongissim. Acclamer pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Ba bi po na baye, ba si ba yoki maloba na nzambe. Ba si ba mi pesi na maka mon nzambe. Ezo koma impossible, impossible. Parce que bango ba si ba gutaki. Ba si ba gutaki. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème, c'est le thème d'aujourd'hui. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi le blasphème? C'est le péché impardonnable, le fait de critiquer la parole de Dieu, le fait de comprendre mal les Écritures. Il y a des gens comme ça dans la Bible, attend la Bible pour un intérêt naïf. Ils ne veulent pas voir l'intérêt de Dieu dans la Bible. Et c'était des pharisiens qui lisaient la Bible, qui prêchaient l'Évangile, mais qui comprenaient très mal et qui prêchaient pour leurs propres intérêts. Ces gens-là blasphémaient. Il y a quelqu'un qui est sur le lobby. Les pharisiens, ils empêchaient même les gens qui voulaient entrer. Parce que déjà, si vous avez une connaissance à Mabé, ils ont permis de faire un enfer. Maintenant, ils réservaient cette connaissance pour prendre d'autres personnes aussi, les amener en enfer. Alléluia. C'est quoi le lobby? Moutouana. Ils sont difficiles pour nous. Alléluia. Autant la Bible, et à ce moment-là, vous blasphémez. Acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Je parlais des blasphèmes contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. Nathalie, c'est que l'histoire d'Israël, ils ont l'histoire de pardon. Dieu a pardonné à tout le monde dans la Bible. Il n'y a personne que Dieu n'avait pas pardonné. Ce qui, Judas a koufa qui, parce que Judas ne croyait pas au pardon de Jésus-Christ. Il ne croyait pas. Judas a teka qui yes. Pierre a wangana qui yes. Mais Pierre tango a kende qui a zonga yoko senga pardon. Et Pierre aussi avait blasphémé. A wangana pesa Jésus-Christ. Mais Pierre était pardonné. Judas, lui, n'était pas de retour pour demander pardon ni à Jésus ni à quoi. C'est pourquoi lui, il avait gardé son péché dans son cœur. Il ne voulait pas confesser. Amen, amen. C'était devenu un péché impardonnable. Parce que lui-même était incrédule. C'est l'incrédulité. Le fait de retourner, ou soit avancer, ou reculer, et ou abandonner les bons chemins. Aux hommes qui sont sous ma cambo, il y a des gens comme ça.
Bible est comme pour nous. Quand il pense à la Bible, il part quelque part. Alléluia, amen. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Il vole. Alléluia, alléluia. Il peut profiter avec sa Bible pour entrer dans des maisons où il a compliqué, dans un endroit où il a difficile à entrer. Il frappe la porte. Bonjour, c'est le prophète Kingani. C'est le prophète, mais c'est le prophète. Vous avez affaire à un prophète. Oh, bonjour, monsieur, c'est moi, c'est l'apôtre Kingani. Hein? C'est l'apôtre. Directement, c'est un salon. Directement, c'est un voleur. Après ces prophéties, esprit de mort et 5 000 $. Pourquoi? Parce que à 8 portes, il est entré par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Et des gens comme ça, assis à Messani, bon, au côté de la Bible, au bon partout, à côté de Jésus, même si vous les péchez du matin au soir, ces gens-là qui connaissent beaucoup la parole de Dieu, mais qui vivent dans le péché, très difficile. Tant que vous avez enseigné, assis à Tali, qu'il n'y a rien. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Vous avez une question à poser? Je vais prendre 2 questions, 3 questions. Vite, vite, s'il y en a, pour que tout retire. Oui, merci, pasteur. Question Agnès Aboué. Par rapport à la confession, un enfant de 8 ans, ceux qui ont la première communion dans l'église de Moussoubassalaka, il part confesser. Il y a un impact de la confession dans moins de 8 ans. Et ça, parce que il peut dire des choses où il faut comprendre. Maintenant, je vais exiger que moi, je vais confesser parce que, dans un exemple, moi, je vais me débattre, mais je vais compromis bien. Deuxième question, ça, Dieu nous laisse la liberté. Vous avez dit que quelqu'un peut entrer dans l'occultisme à côté et il peut sortir, il est libre des choix pour aller suivre Jésus-Christ. Mais, liberté, on a pensé à comment ça peut devenir blasphème à Saint-Esprit? C'est ça ma question. Enfant de 8 ans, est-ce qu'il pourrait confesser? On ne connaît pas, il y a d'autres personnes. Une fois, je disais ici, vous avez moi à 3 ans, quand il fait du mal, il connaît qu'il fait du mal. Ceux qui dans une famille où on prie beaucoup, on va dire qu'on va aider sur la parole de Dieu. Mais vraiment, Zambé a la conscience de Banamike Penzate. Parce qu'on a vu dans la Bible, tant que Batoisel qui m'a soumis, Zamba Lobi, moins de 20 ans, n'a condamné Bangote. Donc, c'est moi au-delà de 20 ans. Dieu comprend que ils ont un âge moko, où ils ont un erreur dans la vie. Parce qu'il y a commettre un erreur en tant que Zamouke, tant que Maïl est colis avant d'Ismaël. C'est pourquoi Dieu avait puni seulement les gens qui étaient au-delà de 20 ans. De moins de 20 ans, Bapinissa Bangote, Batiki Bango, le Kola Basaï le Soumouté. Zamba comprendre bango. Même ceux qui n'ont pas cannabiso, même ceux qui ont faux sambisa mineur, basambisa qui n'a pris des tibna bas mineur, et il y a beaucoup de grâce pour nabango. Et c'est pourquoi même dans mon Zamba, il faut laisser quelqu'un à coma adulte pour prendre la bonne décision. Alléluia. Et l'occultisme, Dieu nous laisse la liberté. Zamba pèse liberté nyonso. Tant on toujours quoi là, Zamba liberté. Mais il y a une chose, ce faisant balobi, tant que kepa naye, o mesani naye, o komiko tambo naye, ye baka kazani nzam. Ba tebele, ba mesani nzam, ba komiso, ba yeko sume na mandef. Moïse, quand il marchait avec Dieu, azo marchait avec Dieu, moukolo moko a manqué nzambe respect. Tant qu'on manqué nzambe respect, nzambe yese le kolo manqué nga respect, o mouna kanate, o koufa. Moïse avait supplié, mais non. Au coup, parce que au coup, manquait un respect. Ah, mais cela qui frappait au rocher, tant Zambé lui parlait au rocher, lui non, a frappé. Zambé a sa camaraderie. Dieu reste Dieu, le Créateur. Il faut avoir du respect envers lui. Zambé a lui boy. Batu oyo basi ba enenga na ibona comme serviteur de Dieu. Na bandi kosa il Zambé boy tout moi boy. Kaka ngamo kwan. Na tiki li sous. Na zongeli vie à ma bé. Je vais défendre mensonge. Je vais défendre impudicité. À ce moment-là, c'est moi qui l'a voulu. Et même si je suis en train de me faire, il y a des choses qui sont faciles à faire. Alléluia, alléluia. Je vais vous dire que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est comme les choses de science occulte.
Pourquoi ce n'est pas facile de quitter l'idolâtrie? Tant que vous avez quitté l'idolâtrie, les démons là, bazo benda payo. Ils ne veulent pas aucun. Il y a des contrats que vous avez déjà signés. Bango pe ma démon, vous signez des contrats avec les démons, ils vont commencer à te chercher partout. Ok, mais ok, wap. Vous avez mon abyssos. Mais tu signes un contrat aussi qui ne bonne. Donc, ils vont commencer à te chercher partout. Si vous signez un contrat avec Basi Andumba, ils vont commencer à t'appeler chez vous. Allô, allô, vous avez comment? Allô, téléphone, allô. Même si une femme mariée, elle va coopérer avec les Mibali Andumba. Les Mibali Andumba vont commencer à passer à la maison chaque jour. Que pendant qu'il croise avec son mari, bonjour, bonjour, pour vous rappeler que moi, je suis toujours là. Même si lui dit non, je ne veux plus encore de ces garçons. Les garçons ne veulent pas laisser. Même si la fille dit, les garçons, lobby, n'a dit qu'on a juste mal à moi sauter. Il y en a au lobby, mais il y en a dans une décision. Il va te dire, tu as pris quelle décision? Ça, c'est ta décision. Mais pour moi, pas encore. Hein? Comprenez? C'est pourquoi il faut éviter qu'on compte dans ma soum oyo et comme le singa. Que l'on makambu. Makambu, et comme moyen outil à mon soussou, et zate. Et le cola au coach, il entend au coach qui au goûté. Au salon, on a moins à mouquer. C'est pas là, non. Tant le gotika, il y a un peu ça, il y a un peu. Satan a raison et belé pour t'avoir. Il y a un zamba lobby, il ne veulent pas. Au salon, on a un goulou. Oui, à Zaka, à ce qu'on l'imaille, à pas un anina, n'a pas de. À ce moment-là, ils ont pour la mboi allé à Sanzi, après Zubi Sanzi, à Sanzi, allé. De mon arasco, vu, on a continué, et comme normal. Et comme une zambe qui toque, nous sommes qui toque, Alléluia. Il y a encore une question? Il y a une question? Oui, merci, papa. Moi, j'aime parce que partout, tous les Rezara, oui, et amen. Quand pasteur prêche, et voilà, lobby et tigali bon au bisou peut tomber. Mais ici, je trouvais un peu exception. Ma question est celle-ci. Jésus avait dit que non, Père, tout ce que tu m'avais donné, j'ai gardé sauf enfant de perdition. L'enfant de perdition, non, moi je comprends pas, Isaranani. Parce que au lobby, Jésus va qui est. L'autre Zaki qui souple au Kyosé n'a pardon et Jésus a libisaki. Pour moi, je pensais que non, c'était Jida parce qu'il est à Koufa Bongo. Mais il a dit que non, soit Jida parce qu'il n'a pardon, il n'est pas pardonnable. On a pris l'exemple de notre maître. Jésus-Christ enseignait, pendant qu'il enseignait, on lui posait des questions. Mon azote, Batobaza et Bélé, mon dieu, maître, Zéranan, mais boy, na boy, et Zakandengenin. Alors, il a appelé ses réponses à prédication. Il répondait aux questions. Alors c'est pourquoi nous avons pris son habitude pendant qu'on me rappelle pour répondre aux questions après prédication. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprenaient pas la prédication pendant que les pasteurs avaient prêché, peut-être pendant la rapidité, ou bien le qui les qui a comprendre en malamté. Oh, Jésus-Christ, avant nous coloba, tant qu'il priait, Balabi Moko Azali, fils à perdition. Il s'adressait à qui? Na Judas. Pourquoi? Parce que Judas avait fait 3 ans. Et Jésus avait beaucoup insisté pour que Judas abonde la motème. Comme Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à abonde la motème. Comme Dieu ne peut pas forcer. Et Judas persistait. Abanda qu'on résistait Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets où il y a ce abanda qu'on s'allait pour enseigner Judas. Même qu'il faut à l'obi, il y a normal. Et Judas, depuis le commencement, depuis qu'il babandaki, Judas était hypocrite. Comment hypocrite? Pendant qu'il marchait avec Jésus-Christ, tant qu'on va tourner qui Pierre pour qui pourrait être trésorier, on avait choisi qui? Judas. Si vous choisissez quelqu'un comme votre trésorier, c'était quelqu'un du bien, quelqu'un à faire confiance. Alors c'était une personne honnête. Et chaque fois que Jésus-Christ a reproché à quelqu'un, quand il est venu à Jésus ne voulait pas se montrer. Il se connaissait. Depuis qu'il était avec Jésus-Christ, lui ne parlait même pas. Il ne posait même pas de questions. Une fois qu'il avait parlé, il a dit il n'aimait pas Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand vous n'aimez pas Dieu, Jésus-Christ, il voyait dans le cœur. Il avait constaté que ce type n'aimait même pas pourquoi. Si Jésus aimait Jésus-Christ,
Jésus-Christ allait le faire grâce. Il n'avait pas cet amour, il ne voulait pas aimer Jésus-Christ. Il était venu seulement avec l'esprit d'avoir l'argent. Et la Bible dit clairement, il voulait tout l'argent qu'on mettait dans la caisse. Si on a dit bon, Atindikuna, moi c'est un salim ramb. Atindikuna, ça ne va pas faire naïe. Côté battant la baninga, baninga battant de l'autre côté. Yazo yibanyon c'est son côté dans la caisse. Voilà, Jésus était un méchant depuis longtemps. C'est pourquoi Jésus-Christ avait prié pour lui. Il avait abandonné tout talisaye pour abonner la motema. Comme il ne se repentait pas, c'est pourquoi on ne pouvait pas les sauver. Le Dieu qui nous a créés sans notre volonté, il ne veut pas nous sauver sans notre collaboration. Nous devons collaborer avec lui avant qu'il puisse nous sauver. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas les autres. Même dans des églises, on a une autre personne à Côte d'Ivoire. Il n'aime pas son pasteur. Il ne quitte pas l'église. Mais il n'aime pas son pasteur. Il y a des gens comme ça. Un enfant dans la famille, il n'aime pas son père. Ça c'est fait. Tu peux avoir d'autres amis. Un ami qui veut toujours marcher avec toi. Il vient te chercher, mais il ne t'aime pas. Il cherche à te créer d'autres problèmes. Mais il vient avec un intérêt. C'est comme ça avec Judas. Il y a une chose que Dieu ne veut pas toucher, c'est notre volonté. Dieu ne veut pas tricher, c'est notre volonté. Nous sommes libres de dire oui ou non à Jésus-Christ. Si on devient des robots pour commencer à agir, là c'est compliqué. Mais il y a une chose que Dieu peut faire, c'est quoi? Quand vous l'aimez, il peut vous changer. Parce que vous l'avez permis. Et lui n'aimait pas Jésus-Christ. Il n'avait pas moyen de faire quelque chose pour lui. C'est pourquoi il était devenu incrédule. De mon avis, sur mon corps, une sœur. Alors, il tout n'est-ce est-ce qu'il y a d'autres péchés où il faut moutou à qui ne commande un pasteur ou bien pédant là-bas péché mon sous au moutou yémoko il faut à confesser dans la chambre? Est-ce que va pécher à bon Isali? Oui, il y a des péchés qu'il faut voir un homme de Dieu pour confesser. Il y a des péchés qu'il faut prier vous-même à la maison pour confesser. Il y a d'autres péchés de penser. Vous pensez mal. Mais les pensées, on a qu'ils ne se répètent pas tous les jours. Parce que le péché commence par où? La Bible condamne les hommes, comme dans le cas d'adultère, seulement par le fait de regarder et de penser. Vous commettez l'adultère. Et une femme aussi, c'est vice-versa. Il y a des femmes aussi. Atali Mobali Boye, à Loulié Namakanisi, à Komissé Mobali Naye. C'est un péché. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Tu mets ces péchés-là. Tu n'es pas obligé d'aller chez le pasteur pour lui dire non, pas pasteur, n'a raisonné qu'il prend un montant de moi, non. Tu peux confesser parce que tu n'avais pas appliqué l'acte Esaïe qui est salamagité. Mais ce qui est commis chronique et pas naïo. Il y a d'autres personnes à développer péché ou non, et commis chronique, et commis normal. Quand lui est en train de marcher, il se fait à mon amour, c'est à battre. Déjà, il pense mal, il fait ses péchés. Là, il commis sa vie. Là, il faut confesser ces hommes de Dieu parce que ça demande une délivrance. Comme problème ou sous. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Il y a des gens comme ça, des femmes ou bien des hommes, quand ils marchent en leur chemin, atali muntu alati bilamba boya moni azana bilambate. Dans ces raisonnements, amoni muntu abato alati bilamba kitoko yo moni mutakala. Alors on m'a mis partout, on m'a marié déjà. À ce moment-là, ce sont des péchés, c'est un peu comme de la sorcellerie. Amen, amen. Ouais, ça quand ndoki ozaka femme de nuit, mari de nuit abato. Alléluia, alléluia. Et oui, il y a des choses comme ça. Au moni muta batoli ki nanzela, yo tali déjà amisu, tali misu déjà, au sali nyonso na misu zo talaye. Déjà au penser mabé. Muta te ça c'est qui te rase que tu on se rappelle que toi tu dis si on se rappelle la passe karaté. Yo sera na kindoki. À ce moment-là, tu dis non papa, na mon faire ça ndoké. Je ne comprends pas ce que je fais. Oye ça kindoki ti a essayer bandi muke muke. Pour ceux qui na monika mwana masse batoli ki, mwana mbala batoli ki, ngai na komisa lungule milamba tout, j'ai fait tout. Alors à ce moment-là, péché, il faut confesser chez un homme de Dieu pour qu'on cherche à chercher, va trouver et où tu wapi. Amen, amen. Mais il y a d'autres choses, mon frère. Au soin à mon toit, soin ici. Un exemple, vous vous chemin avec quelqu'un. Il y a un bête mbata. Mais au bombi, au lobby, mon toit vraiment, ma mère vraiment, au fingi, il y a un thème. Mais au yébisiété. Après, il est qui? Vous êtes hypocrite. Tu l'avais déjà injurié. Mais tu peux demander pardon à qui? À Dieu. Parce que hier, ça concernait. Lui ne connaît pas ce qui s'est passé. C'est Dieu qui connaît ce qui s'était passé. Alléluia, alléluia. Péché, par exemple, moi, dans moi, si. À Zuzemi. À Bébi, Sizemi, à Sopizemi. Avec un garçon. Ce sont des assassins. Claire. Ils vont aller confesser. Sinon, Makila, ils en ont beaucoup. Assassins.
Là, il faut aller. Là, vous ne vous allez pas vous mettre à genoux. Seigneur, je vous demande pardon pour la longue qu'ils aient mis. Non. Tu as tué quelqu'un, tu es un assassin. Tu vas aller confesser normalement. Alléluia, alléluia. Le ben assassin, j'ai tué. Tu es un assassin. Va, tu vas confesser. Et pas ma pasteur. Ou tangissima qu'il a abattu. À ce moment-là, on va te demander pardon pour toi. Ce n'est pas aux yeux aux assassins à Makila. Au sein de la chambre, donc à ce moment-là, c'est très grave. Nous avons péché impardonnable parce que le péché est tout le monde. Pour nous, tu ne confesses pas. Maboko, ma caspa, le commun à coller sur ma sia. Salanga na kukakateo Mabe na kubuya Yango na kusala Nabomo inanga Yawe limbisanga